Avete affermato nel 1984 l'università che avrebbe cessato di esistere. Это заявление было предметом сенсации на Западе. E in Occidente questa affermazione divenne immediatamente un fatto sensazionale. Ни одна газета на Западе не напечатала мое мнение по этому поводу. Ma nessuna, nessun giornale, nessuna rivista in Occidente pubblicò invece quella che era la mia opinione. Хотя я дал сотни интервью. Nonostante io abbia dato centinaia di interviste. И по крайней мере в 20 из них я говорил о том, что это здорово. E perlomeno in 20 di esse io ho chiaramente detto che questo era una... assolutamente non stupido. Все печатали, а это мысль вычеркиваем. Delle mie interviste decisero di pubblicare tutto, tagliamo però questa particolare affermazione. Другой пример. Un altro esempio. Говорят о каком-то религиозном возрождении в России. Si parla per esempio della qualche rinascita religiosa in esse. В сотнях, десятках, сотнях газет все это было напечатано. Decine di giornali, di riviste diedero notizie, diciamo, ne parlavano. Ко мне одна английская газета обратилась специально с просьбой написать на эту тему статью. Un giornale inglese mi mandò una rappresentante con la preghiera di scrivere specificamente qualcosa in proposito. Я написал, что это вздор. Io scrissi che anche questa era una sciocchezza. Что главное препятствие, я написал, в России для развития настоящей религиозности, это официальная советская. Русская ортодоксальная церковь. Disse che tranquillamente che in Unione Sovietica la Chiesa ortodossa russa prendeva chiaramente posizione a favore della religione. Статью не напечатали. Non venne. И нигде невозможно было ее напечатать. Non venne stampato nel titolo e non trovai modo di stamparlo nel suo stato. Некоторое время назад на Западе против меня велась очень сильная клеветническая кампания. Poco tempo fa venne condotta dalla stampa militare nei confronti una campagna denigratoria molto forte. Один английский журнал напечатал мое, якобы мое интервью, от которого я отказался. Una rivista inglese pubblicò un'intervista attribuita a me, da cui io però mi sarei, avrei preso posizione in distanza. Это была фальсификация. Infatti si trattava di una intervista completamente falsificata. Я разослал мой протест, по крайней мере, в 20 западных газет. Ho deciso di spedire una lettera di protesta almeno di una ventina di giornali occidentali. Ніхто не напечатав. Nessuno stampò la mia protesta. Понимаете, вот я возвращаюсь опять к тому, что главная угроза. Tornando al punto, quale sia la maggiore minaccia alla libertà di parola? По-моему, самая главная угроза – это поразительное нежелание Запада принять правду о советской реальности. Secondo me la minaccia fondamentale è il rifiuto categorico da parte dell'Occidente di voler sapere la verità riguardante la realtà del nostro Paese. Есть и другие линии, по которым, так сказать, развивается угроза человечеству. Ci sono anche altre linee che in cui si viene a manifestare in modo nell'altro variato nel confronto di umanità. Приведу только один пример. Un altro esempio. В литературе. Nella letteratura, per esempio. На Западе плохие писатели имеют колоссальные преимущества сравнительно с хорошими. In Occidente dei medio cattivi scrittori hanno un successo incredibilmente ingiustificato rispetto ad altri che invece sono dei buoni scrittori. Non sto parlando di scrittori russi, ma di scrittori occidentali. Хороший писатель лишь в порядке исключения завоевывает себе место под солнцем. Si può dire che a fatica, con estrema difficoltà, un buon scrittore riesce a trovare un posticino per sé. И можно назвать массу других аспектов жизни. Все это очень важно. Важно сейчас обратить внимание на то, что здесь, на Западе, точно так же происходит процесс, ограничивающий, со страшной силой ограничивающий
действительно и демократические свободы человеческие. La cosa fondamentale che va rilevata è che nel mondo nostro, nel mondo occidentale, è in corso un processo, un terribile processo di riduzione, di ridimensionamento di quelli che sono le libertà democratiche. Ma non così come tale processo viene inteso dalla propaganda sovietica. Perché la propaganda sovietica naturalmente mente. A совсем другом смысле, о котором никто не хочет говорить. Ma in un senso completamente diverso, un senso che normalmente nessuno, di cui nessuno vuole parlare. Я 8 лет здесь живу, я просто поражен равнодушием Запада к самым фундаментальным проблемам бытия. Io, che vivo da 8 anni in Occidente, sono letteralmente sbalordito dall'indifferenza dell'Occidente stesso nei confronti dei problemi fondamentali dell'esistenza. Absolument dans
dans l'état d'un manuscrit dans un tiroir. On n'y lira pas et on n'en parlera pas. Donc on a la liberté, mais finalement, ça se joue aussi de cette façon complexe et manichéenne et sourde, etc. Pour en revenir à la Chine, je voudrais quand même dire une chose. C'est que la situation a beaucoup changé et je l'ai vu changer pendant ces 8 ans. D'année en année, j'ai quand même vu une décontraction générale, des gens qui n'avaient pas peur maintenant de s'exprimer, par exemple, avec des étrangers, qui parlaient, d'avoir des contacts avec des étrangers, des artistes qui osaient davantage, et quand même, il faut le reconnaître, un parti communiste beaucoup plus, disons, libéral, indiscutablement. Mais il y a encore des sujets tabous, et celui dont je parle en est un, à savoir, par exemple, l'amour considéré comme un sentiment, disons, nécessaire en soi, et comme il est chez nous, et suffisant, et sans conteste. Ça, c'est encore impossible en Chine. Alors là, il faut l'expliquer par la tradition millénaire du confucianisme, etc., qui font que c'est une société qui vit encore avec la cellule familiale comme axe dirigeant, comme soutien même de la société de l'État. Thank you.
in quanto intellettuali e artisti, non ne avevamo mai avuto timore dell'incultura, appunto, da che facetto sé. Eppure oggi, guardando il processo alla parola, qualcosa accade. Qualcosa come un film in movimento, e in un'università si avverte dello stato, del singolo, del modo, non tanto delle possibilità, ma del potere dell'incultura, quando pratica non la delicatezza della paura o dell'ignoranza, ma il teatro, reso grave e greve della fobia e della superstizione. È in questo scenario che si consuma il complotto, l'attentato, la messa a morte della parola, nemmeno il sonnambulismo è già un'ipernazione. Qui passa l'ordine della parola tra referenza e deferenza, ordine, ordo, ordito, disegno di un albo disadorno nel quale gli ostati sono l'artista, lo scienziato, la pratica di invenzione. Conosciamo gli stati che totalizzano la parola, hanno un nome preciso. Servono e tengono in circolo, cercano i luoghi fisici, i lager del comune letterario, del sociale, del politico. I loro topoli sono tracciati e rintracciabili a dritto segno. Davvero il diritto di una topologia comportamentale, con il tipo di giudizio sancisce la povertà terrificante, ma sul prodes, dell'intelligenza e della passione di libertà di ricerca. Processo la parola del disegno dei luoghi, esempio la mappa e l'articolazione nel loro esercitarsi e distendersi. Nel testo, oltre il getto di invenzione nello stesso politico che lo informa, non è, assolutamente non è, la riscrittura di una storia. La scrittura scrive cioè la storia della parola e di ciò che in essa procede. Mostra che la parola non si può cancellare, che la logica che vi opera non può essere arrestata. Nulla potrà restare allora di quanto l'inquisitore appetiva, il brano ad esempio, o comunque che il soggetto di locuzione indossasse il costume di supplice o straniero, che entrasse cioè in quella marca del parlante la cui interrogazione non ha ascolto. Ebbene, il testo può solo differenziarsi. Tale la voce che porta, nuda e terribile, avverso l'arida, macchinosa, volontà d'esclusione, l'etica. Garantisce
invece l'ordine sociale, la residenza e la differenza sessuale non vengono ammesse. E il nostro amico Russo stamattina ha dato una ulteriore eco a questa verità. Non voglio stare mio tempo ad altri relatori, io ringrazio immensamente, come dicevo, Paul Matisse, che nonostante gli impegni e il pochissimo tempo a disposizione è venuto qui, questo gesto, cioè da questo gesto mi sono immediatamente riconoscente, e vi passo adesso la parola a conversazione, ho avuto forse modo di leggere ancora questo libro che la mia scala sta producendo in francese, e quindi diciamo ho avuto forse qualche brandello, qualche eco di questa vicenda che è in corso ormai da quasi due anni. Vi passo anche la parola. Ce n'est pas sans une certaine émotion que je reprends la parole ici aujourd'hui, en souvenir de ma dernière intervention, ici même, quand Claire Dubiot était présent. Face au procès fait à la parole en Italie, j'évoquerai un autre procès fait à la vie, les deux étant d'ailleurs probablement corrélatifs. J'évoquerai, peut-être d'une façon un peu syncrétique, ce que j'ai pu percevoir, étant d'une certaine distance, de ce qui se passe à Milan, ce qui m'est apparu en France à l'époque. Je serais tenté de dire, donc d'une façon un peu ramassée, pourquoi de quelles condamnations? Pourquoi des temps d'emprisonnement aussi importants? Pour quelles raisons estimées justes? Et pourquoi une telle atteinte à la liberté? Certains terroristes qui tuent subissent des peines moindres. Je connais mal les chefs d'accusation en Italie, extorsion de fonds, abandon d'un cadavre, défaut d'assistance à personne en danger, show business peut-être. Et ce sont des modalités de fonctionnement de beaucoup d'institutions à des degrés qui vont bien au-delà de ce qui peut être indiqué à l'heure. Ce sont ces institutions, en particulier les institutions d'État, laïques et religieuses, que je voudrais questionner face à ce procès. Elles s'autorisent, sans culpabilité aucune, à deux prélèvements corrélatifs qui relèvent de l'infamie. Je veux parler des prélèvements d'argent et des prélèvements des corps. C'est ce point que je voudrais traiter car il est le nœud de l'impasse de notre culture et celui sur lequel l'analyste peut avoir une prise. Or, ce goût de la thanatologie, c'est ce que Verdiguillaume n'a cessé de dénoncer. Si on demande à une fondation culturelle des comptes concernant son fonctionnement financier, si nous nous référons à des structures démocratiques, nous sommes aussi en droit de demander au gouvernement des comptes d'argent affectés à la distribution de la mort. Si on connaît les chiffres du budget de guerre, tout au moins pour certaines nations, la question posée est celle de savoir pourquoi se poursuit un tel investissement. Il apparaît que seul l'État veuille être le maître incontesté du domaine monétaire. Or, que font l'argent les États démocratiques eux-mêmes, sinon d'affecter une part importante de leur budget à des fins de mort? C'est la question que posent dans leur corps, avec particulièrement d'acuité, tous les adultes jeunes conviés à la mort par la toute-puissance du pouvoir des adultes plus âgés, qui font de la force militaire l'enjeu de leur sanglant. Pourquoi ceux qui décident des guerres ne sont-ils pas ceux qui les font? Pourquoi la France, qui s'affiche à l'avant-garde de la civilisation, maintient-elle un service militaire obligatoire sans demander aux athlètes ce qu'ils en pensent? Un État ne sera démocratique que s'il tient compte de la parole de ceux qui sont contraints de mourir jeunes par le pouvoir des plus âgés, utilisant une idéologie frauduleuse. Pourquoi cette rivalité des hommes entre eux, avec des armes de plus en plus sophistiquées, sinon pour leur jouissance homosexuelle, par la mort même, plus conforme qu'à leur rencontre avec eux? Certes, ce que l'inconscient recèle et que l'analyste dévoile n'est pas l'acceptation facile pour la conscience conformiste, violente et même humaniste. Le terrorisme n'est pas seulement un terrorisme de bande, il est aussi un terrorisme d'État, plus difficile à démasquer car il est officiel et poliment. D'autant qu'il se veut exemplaire sur le plan faussaire du sacrifice et de l'honneur. Borges à Tokyo, et il n'était pas le seul ni le premier,
évoquer la perspective du suicide nucléaire mondial. Mais ceci est devenu une banalité, et on oublie le réel de la mort du corps et de sa souffrance. C'est contre cette jouissance avec la mort, et contre la religion de la mort, que Bordillon a organisé ses congrès itinérants à travers le monde, car la culture doit être nationale, provinciale ou idéologique. Il visait des passés de vérité où l'argent cesserait d'être au service de la mort. C'est dans ce point que Bordillon interpellait le poids du terrorisme d'État à l'échelle du monde. Bordillon est devenu victime de la violence et de la tromperie qu'il n'a cessé de dénoncer. Tout le monde connaît en France l'Institut Gustave Roussy, l'Institut du cancer à Paris. Mais qui se souvient de l'homme dont l'Institut porte le nom? Que connaît-on encore de sa vie de médecin, de chercheur? Que sait-on de ce maître, oublié même de certains de ses élèves devenus célèbres? Sait-on comment il est mort? Connaît-on son suicide consécutif à une inculpation pour protiste? Georges Mathé, cancérologue éminent, participant attentif des congrès de Tokyo éminent, pourrait peut-être vous dire de qui Gustave Roussy a reçu l'absolution. Mais il est mort avant sa réhabilitation. À quelle peur, à quel abandon, Roussy a été libéré? Passage à l'acte auquel n'ont pas cédé et ne cèdent pas encore certains grands assassins de l'histoire. Ce sont d'autres qui sont tués. Van Gogh aussi s'est suicidé, et s'il n'a pas vendu ses toiles, c'est qu'elle n'était pas vendue. En ce sens qu'il ne voulait pas les vendre. Il n'était que créateur et non commerçant. Que représentait sa famille? Probablement la résurrection d'un enfant mort, de ce frère mort dont il portait le prénom, et à travers lui, de tous ses enfants assassinés dont parle sa vie. L'enfant était au soleil à faire revivre, parce que le monde est éclairé par le soleil et non par l'enfant. L'enfant mort, c'était le soleil mort, et c'était intolérant. Le 24 avril 1985, il s'est vendu à New York, au prix de 85 500 000 francs, pour plus de 8 milliards de centimes, une toile de Van Gogh, intitulée « Paysage au soleil devant ». Ce tableau était peint en 1889 à l'hôpital Saint-Rémy de Provence, de la fenêtre de la prison psychiatrique où Vincent avait été admis. De cette toile, il écrit à son frère Théo, j'ai tenté d'exprimer l'art, le calme, d'une bête immense. Les hasards de l'histoire ont fait que cette toile avait appartenu à Robert Oppenheimer. À travers quel circuit du monde noir passe le destin des hommes pour mêler de façon si exhaustive l'argent, la science, la technique, l'art et la mort, meurtrière et suicidaire. Van Gogh est mort pauvre, sans argent. Les marchands qui sont revenus sur les marchés du temple font des œuvres artistiques un commerce d'argent comme ils font avec des armes, commerce des vies humaines. Est-il possible d'émerger de ce chaos? Si les contentieux font des comptes d'argent, qui fera le compte des vies mortes prématurément, tombées sous les obus et les bombes livrées parfois par le même trafiquant ou deux belligérants en contrepartie d'argent? Quel est le prix payé pour un corps mort, selon le jour, l'heure ou le mois? Mort définitivement, pour une somme thésaurisée sur quelqu'un. J'assistais depuis plus d'une dizaine d'années à un grand nombre de réunions organisées par Bordillon. Son entreprise était incontestable. Colloques et congrès créaient une atmosphère de rencontres de personnes et disciplines différentes, introduisant des échanges extrêmement fréquents dans une rupture avec tous les secteurs. Contexte où Bordillon a l'écoute de la parole de chacun, confirmait son souci d'une culture au-delà des frontières. Son travail faisait suite à l'aide de la liberté de travail des Lacan pour dénouer le leurre des croyances et des assujettissements. Il interrogeait les sous-bassements de cette culture, hésitant face au pouvoir et plus particulièrement face à cette étroite connivence entre l'argent et la fonction humaine. Quel est le prix à payer? Par qui? Et dans quelle mesure? Quelle est la juste parité du change entre le corps et le monde? Shakespeare, un marchand de Venise, nous a montré la doublure. La psychanalyse ne peut demeurer que subversive. Elle interroge tous les pouvoirs, laïcs et religieux, sur ce qu'ils font du corps en tant qu'organisme mortel, sexué et désir. Au choix d'un signifiant, s'ajoute ce droit à l'argent que le pouvoir conduise. Or, le sujet vivant, souffrant, ne peut qu'interroger en retour le pouvoir sur les masses d'argent déployées à des fins de guerre. Le déclin d'Occident, évoqué par Spengler, tourne autour de cette articulation de l'argent et de la mort du corps en tant que sexuel. L'argent semble servir essentiellement le pouvoir de mort des États. C'était cela que Bordillon questionnait au-delà des faits divers,
qui lui sont reprochés et qui sont de peu de poids face à la combat de front et aux charlottistes. L'abjection est-elle extrême quand le corps sert de monnaie dans un temps antérieur aux principes démocratiques et la culture pusillanime n'a pas réussi à faire face au passage à l'acte politique s'il est gouverné par la jouissance de la mort dans laquelle nous risquons tous de sombrer. Quelques mots encore. J'ai dit que je donnais toute attention à ce qui est vivant et ce qui est mort. J'ai rencontré une garance et bien beaucoup de personnes qui n'auraient pas approché de moi, ou alors avec beaucoup de difficultés, ainsi pour Borges. Certes, je connaissais dans ses textes depuis longtemps, mais pas dans son corps, dans sa voix, dans son visage, dans sa démarche, rappelant Peggy, accompagné par un peu. Les conférenciers parlaient à la tribune généralement solitaire. La cécité de Borges était elle seule en cause pour qu'une femme soit à ses côtés. Il était agréable de le voir ainsi accompagné. Quand les hommes cesseront de régler leur compte entre eux, peut-être qu'alors nous serons plus près de ce moment où cela s'appelle l'aurore, selon l'avis de Buñuel, l'homosexualité masculine cessant de maintenir un pacte avec l'aurore. Il ne peut y avoir le statut démocratique qu'à partir du fondement du sujet en tant que sexué dans le règle de son corps, de sa liberté, de sa parole intime. Vermilion nous a offert le contrat de New York. Ce n'est pas loin de Washington, là où Kennedy Center peut lire ses lignes de cet homme assassiné gravé dans la pierre. Il y a un lien difficile à saisir logiquement, mais facile à sentir, entre les progrès de la vie dans la cité et le destin des arts. Le siècle de Périclès est tout aussi celui de Phidias. Le siècle de Laurent de Médicis est tout aussi celui de Léonard de Vinci. Le siècle d'Élisabeth est tout aussi celui de Shakespeare. Puisse le troisième millénaire produire cette deuxième renaissance afin que l'Italie n'ait pas à réveiller la première, afin que les accords entre l'art, la science, l'industrie et le corps vivant parviennent à confondre ce qui, au fond de l'inconscient, se part encore d'un bout de l'art. Quindi
c'è una responsabilità per ciascuno di denunciarlo e che ciascuno inizia questa avventura appunto per una curiosità intellettuale, per una propria ricerca e come ciascuna ricerca non solo c'è un investimento funzionale in atto, ma appunto anche un investimento economico. Ecco, allora queste sono cose che sono ancora molto lontane da quello che bisogna fare in questo modo dell'epoca. Durante il processo è stato rivolto a un test che ha avuto per dare una testimonianza, è stato detto che in più dei conti ci sono molte biblioteche in città e quindi che non c'era bisogno di diventare soci o fondare una casa editrice per fare della cultura, che appunto bastava recarsi in biblioteca e consultare i libri. Quindi questa a voi sembrava una battuta, ma se fosse così, se fosse veramente una battuta, noi non ci saremmo trovati in mezzo a questo attacco così unanime da parte di coloro che in Italia difendono il buon senso. Allora, per proseguire appunto questo dibattito, io vorrei dare adesso la parola a Maria Dalin. Maria Dalin è venuta durante il processo e penso che sia rimasto un po' sconcertato delle cose che ha sentito, anche intorno alla psicanalisi, visto che appunto si è trattato di un processo in cui innanzitutto si parlava di psicanalisi. E forse la psicanalisi ha uno statuto che non verrà stabilito dal tribunale e su questo che stiamo scommettendo anche oggi. Io dunque gli passo la parola. Pendant de nombreuses années en France, lorsque quelqu'un prenait la parole, on lui demandait qui parle, d'où parlez-vous, d'où est-ce que ça parle en vous? Cette question avait un léger parfum. La question qui parle et d'où ça parle en vous avait un léger parfum inquisitorial et il fallait en quelque sorte justifier son intervention. C'est pourquoi, d'une certaine façon, je me permets de faire allusion à un certain statut qui est le mien pour justifier le type d'intervention que je fais aujourd'hui. Et aussi pour répondre à ma manière, à une certaine rumeur qui s'est répandue dans la presse française et qui accusait les intellectuels français d'intervenir en faveur de Verdulione avec une certaine naïveté. Plus au ciel, comme utinam, comme on dit en latin, que les intellectuels français interviennent dans l'affaire Verdulione. Malheureusement, ils sont intervenus d'une manière extrêmement avare et parcimonieuse. Et en tout cas, pour ce qui me concerne, pas du tout avec naïveté. Pour cette raison essentielle, c'est que les affaires italiennes me sont extrêmement familières depuis de très nombreuses années. Il y a plus de 30 ans que j'ai commencé une collaboration avec la revue de Rome Civiltà delle Macchine, que j'ai fondé à Paris un centre de promotion franco-italienne, que très ultérieurement j'ai continué à suivre la culture italienne avec les traductions de Pasolini, de Calvino, de Italo Svevo, publiées chez Gallimard, que j'ai ensuite collaboré très étroitement avec Verdulione. Et cela, me semble-t-il, d'une manière extrêmement pleine, c'est-à-dire à la fois comme participant direct de l'œuvre de Verdulione, sous forme de collaboration à spirale,
mon livre sur Wilhelm Rasch traduit chez Marsilio par Verdillon, les œuvres de Verdillon elles-mêmes publiées dans ma collection chez Payot, La folie de la psychanalyse, La folie politique, Drogue et langage, La sexualité dans les institutions, et que, tout en étant un participant direct, actif, j'étais aussi observateur, c'est-à-dire dédoublé. Je retirais des éditions pour France Culture, comme je vais le faire d'ailleurs aujourd'hui même. Je publiais des articles, et probablement les premiers, sur l'entreprise de Verdillon dans le Nouvel Observateur, dans la Quinzaine littéraire, dans la Revue Psychologie. Je crois qu'une telle expérience permet de dire que les jugements que je peux porter sur le travail et la situation actuelle de Verdillon sont tout le contraire de naïfs. Et s'ils sont, et je revendique qu'ils le soient, des jugements passionnés, parce que je crois qu'il y a là aussi une relation de type passionnel, cette relation passionnelle non seulement ne limite pas l'examen rationnel du problème, mais au contraire, me semble-t-il, la soutient considérablement. Pour l'affaire qui aujourd'hui nous préoccupe et nous angoisse, je crois qu'on pourrait dresser le tableau synthétique suivant que je me permets de lire. Il y a un seul procès ininterrompu depuis plus de 10 ans qui s'enfle et se tarit, se ramifie et se rétrécit sans que change son objet et sa finalité, mettre en doute la légitimité de l'existence d'une personnalité comme Verdillon dans la société et la culture italienne. On accuse Verdillon d'un échantillonnage varié de transgressions. Il est obscène et saine d'obscénité. Il est pornographe, corrupteur et diffamateur, voleur et complice de vol, instigateur à la délinquance, blasphémateur de la religion et de la nation. Dénonciation et jugement deviennent l'occasion de lynchage, de défoulement, d'exhibition. Accusateurs publics et avocats perdent le contrôle d'eux-mêmes et le sens de la mesure. On produit des expertises psychiatriques sur un sujet qu'on n'a jamais rencontré. Attaquer Verdillon devient un mode d'accès à la notoriété pour les députés battus, les colliers fascistes, les avocats et médecins en délire, les journalistes. On perçoit comme une sorte de soulagement dans les diatribes que provoque chacun de ses livres et de ses colonnes. Le procès intenté à Verdillon s'installe comme un élément fixe du paysage italien. La liberté d'expression s'y trouve niée parce qu'on utilise la procédure judiciaire comme une machine à persécuter. Les attaques contre Verdillon représentent certainement l'un des moyens dont se servent ceux qui cherchent et créent des prétextes, des occasions, des symboles pour s'opposer à tout ce qui péniblement émerge de neuf dans la société italienne. Tableau synoptique que j'ai vu, alors que je suis incapable de lire un texte devant un micro, c'est une carence dramatique, parce que ce texte n'est pas de moi. Je l'ai tiré d'un livre intitulé Pasolini, Chronique judiciaire, persécution, exécution, recueil de textes réalisé par Laura Berti. Et ce texte même est tiré d'un article d'un journaliste intitulé Stefano Rodotà, que je ne connais pas personnellement, dont j'ai vu qu'il avait publié dans la Repubblica récemment un article. Et curieusement, je pense que Rodotà, prenant en considération l'affaire Verdillon,
pourrait intégralement reprendre la totalité des éléments de ce texte. Car, comme vous l'avez compris, j'ai utilisé la totalité du texte en faisant simplement un petit changement. J'ai écarté le nom de Pasmani, j'ai mis celui de Verdignol. Au lieu de 20 ans, j'ai mis 10 ans. Et au lieu de film, j'ai mis colloque. Encore que j'aurais pu garder film, parce que je pense que dans l'avenir, Verdignol fera des films. Mais je ne veux pas engager la vie. Que l'affaire Verdignol pourrait trouver à s'éclairer de toute une série d'affaires qui pourraient remonter très loin. Je n'irai pas jusqu'à dire Socrate, ou Jésus-Christ, ou même Giordano Bruno, ou même Pasolini. Mais, par exemple, effectivement, l'affaire Pasolini, l'affaire Wilhelm Reich, comme le faisait remarquer très bien Carpiolo pour la entretien personnel, ou plus près encore de nous, l'affaire Porpora. Mais je crois que ce serait rendre un mauvais service à Verdignol que de comparer son affaire à des affaires antérieures pour cette raison qui me paraît essentielle et que j'ai signalé déjà hier, c'est que avec l'affaire Verdignol, quelque chose de véritablement neuf s'institue dans le paysage italien, si vous voulez, mais je crois bien aussi dans le paysage international. Avant d'abandonner cette relation rapide que j'établis entre Pasolini et Verdignol, je peux néanmoins dégager un point qui me paraît assez bien éclairer le travail de Verdignol. Avec Pasolini, la société italienne s'attaque à quelqu'un à travers ses œuvres, à travers les événements de sa vie, moins, me semble-t-il, en raison de ses œuvres, en raison des événements de cette vie, notamment axés sur l'homosexualité, mais parce qu'il y avait probablement chez Pasolini la recherche d'un style avec un grand S, d'un style au sens fort du terme, une sorte de nouveau type humain qui cherchait à émerger dans la culture italienne. Je crois qu'avec Verdignol, on assiste à une opération analogue, la tentative de réaliser un style, pas seulement un style littéraire, pas seulement un style intellectuel qui existe, mais quelque chose de plus encore qu'on pourrait appeler un style culturel, ou encore, si l'on veut faire fusionner la notion d'individualité, de personnalité, de culture, un style idioculturel, c'est-à-dire faire advenir quelque chose comme un intellectuel d'un nouveau genre, ce que précisément Verdignol revendiquait en disant que le nouvel intellectuel devait être le psychanalyste. J'évoquais hier l'extrayant du film de Rosy Salvatore Giuliano, la notion de Sainte Trinité. C'était policier, bandit, mafiosi. Pour introduire la nouvelle Sainte Trinité que l'affaire Verdignol nous permet de cerner et qui est composée de ces trois facteurs ou de ces trois pôles qui s'appellent justice ou magistrature, presse ou médias, et opinion. Il me semble qu'aujourd'hui, nous sommes parvenus à un stade où ces trois facteurs sont entrés dans une sorte de coalescence, une sorte d'osmose de manière à constituer un véritable réseau de pouvoir ou de domination. De domination, non pas au sens traditionnel du terme, mais une forme de domination subtile et sournoise qui fait que chacun de ces facteurs n'exerce pas directement sa domination, mais l'exerce par un détour avec l'autre. Tout se passe comme si la position de pouvoir de chacun de ces éléments était refilée à l'autre élément qui, dès lors, se dérober à sa responsabilité.
ce qui m'a conduit à évoquer ici le concept de surdomination. Justice, presse, opinion exercent un pouvoir de surdomination. J'entends par là que ce réseau surplombe tous les pouvoirs. D'une part, qu'en second lieu, il jouit d'une quasi-totale impunité, et qu'en troisième lieu, et c'est peut-être le point ici, dans cet espace tout entier parcouru par l'inspiration freudienne, nous intéresse le plus, c'est un réseau où vient affleurer de l'inconscient social. Alors, arbitraire total, oui, personne ne demande réellement des comptes, ni à la magistrature, ni à la presse, ni à l'opinion. Un magistrat peut condamner quelqu'un à mort, faire une erreur mortelle, et ne subir absolument aucune sanction, aucune représailles. Un journaliste peut écrire n'importe quelle bêtise, même lorsqu'on lui signale qu'il a écrit une bêtise, il va simplement redoubler la bêtise en faisant une rectification à la bêtise. Il gagne sur les deux tableaux. Quant à l'opinion elle-même, non seulement elle ne rectifie pas ses bêtises, mais nous pouvons considérer qu'il est dans la nature de l'opinion de se nourrir de sa propre bêtise. Plus elle fait des erreurs, et mieux ça marche. Il y a donc là, je crois, une liaison extraordinaire qui, justement, s'éclaire admirablement grâce à l'affaire Verdignon. Je ne connaissais pas le livre de Verdignon en arrivant ici. J'avais donc rédigé mon texte. Ayant eu l'occasion de le parcourir, encore un peu trop rapidement, j'ai été frappé de voir que toute une série de formulations de Verdignon venaient confirmer un certain nombre d'analyses que j'avais faites. Notamment celle-ci. Il évoque à un certain moment la rencontre avec l'archaïsme. Justement, mon analyse, analyser, élaborer le fait que dans ce procès Verdignon, il y avait rencontre d'un mouvement vers l'avant, le projet de la deuxième renaissance, et ce facteur puissant d'archaïsme que constitue le réseau que j'ai évoqué. Car nous pouvons, et je reprends le concept de affleurement d'un inconscient collectif, dans ce réseau constitué par la justice, la presse et l'opinion, nous avons affaire à un véritable mécanisme de régression sociale qui peut s'éclairer si l'on fait référence au thème de la horde primitive. Ce réseau nous fait regresser à une situation de horde, c'est-à-dire une homogénéité sociale qui ne supporte pas, qui ne tolère pas la différence. Et par ailleurs, cette homogénéité sociale se groupe autour d'un despote originaire, d'un despote primitif, qui, dans ce réseau, ne prend pas figure humaine, c'est son originalité, mais a la figure anonyme de la magistrature. C'est la justice qui fonctionne dans ce réseau comme étant le père despotique originaire. Et comme ce réseau se veut, et d'ailleurs politiquement il prétend l'être progressiste, cette homogénéité de la horde est rompue, mais d'une manière caricaturale, par un faux semblant, par un simulacre de héros, de fils rebelles, qui sont représentés par les journalistes, qui font le simulacre de s'opposer d'une part à l'opinion, alors qu'au contraire, ils viennent la renforcer, et de s'opposer aux despotes originaires, alors qu'ils en renvoient la force en miroir. Je crois que c'est un thème qui impliquerait une analyse extrêmement élaborée. Ce qui me semble caractériser ce réseau, c'est la manière dont, sur les différents registres, la parole est dévergondée. Elle est dévergondée au niveau de l'opinion et de la presse.
C'est-à-dire, très simplement, on parle pour ne rien dire, au point que vous pouvez prendre un journal d'un mois, vous pouvez très bien penser que c'est le journal du jour que vous lisez. On parle pour ne rien dire, ou on parle pour dire des bêtises, pour formuler des bêtises. Cela, c'est la parole dévergondée au niveau de la presse et au niveau de l'opinion. Complémentairement, nous avons la parole non pas dévergondée, mais au contraire sacralisée, fossilisée, rigidifiée, codifiée, pétrifiée dans le discours de la justice. Le discours de la justice représente une parole pétrifiée, une parole devenue sphinx. On a évoqué les sphinx qui sont ici, dans la ville à Bormé, et je crois que nous avons effectivement quelque chose qui relève du sphinx. Si j'ai encore le temps, je vais évoquer très rapidement, comme une sorte de parenthèse, et pour vous reposer un peu de cette analyse, peut-être un peu trop fragile, l'énigme du sphinx. Le sphinx est censé poser des questions à des gens qui passent. La réponse traditionnelle a été donnée, semble-t-il, par Oedipe, l'animal qui le matin marche à quatre pattes, à midi à deux pattes et le soir à trois pattes. Oedipe répond, c'est l'homme. Je vais vous proposer, si vous voulez bien, une autre réponse à l'énigme du sphinx. Ce sera un scoop, peut-être. Le sphinx, excusez-moi, ne parle pas. Pour la raison très simple, c'est qu'il est en pierre. Et donc, il n'y a pas d'énigme du sphinx. Il n'y a pas d'énigme de la parole du sphinx. À moins que vous croyiez en l'existence du sphinx, à ce moment-là, évidemment, je retire ma remarque. Mais si, comme moi, vous ne croyez pas que le sphinx existe, vous dites qu'il n'y a pas de parole du sphinx. Alors, qu'est-ce qui existe du sphinx? Eh bien, ce que vous voyez au fond de la villa, une masse de pierre. Le sphinx est une forme de pierre. Et donc, la parole du sphinx, c'est la pierre. Voilà où est la parole du sphinx. Et si la pierre est la parole du sphinx, la pierre est l'énigme du sphinx. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que le sphinx figure une puissance de pétrification. Pétrification du mot pierre. Et donc, lorsque le sphinx est là, comme une masse de pierre, l'énigme qu'il formule par sa substance même, c'est l'énigme de ce que la pierre ne peut pas faire, de ce que la pierre ne peut pas produire, de ce que la pierre empêche de produire, à savoir la parole. Mesdames, messieurs, je vous annonce solennellement que la réponse à l'énigme du sphinx, c'est la parole. Si je voulais faire un peu plus d'humour, je dirais, c'est l'industrie de la parole. Et j'espère que Verdillon m'entend à son domicile, où je le représente comme une sorte de nouvelle Oedipe, avec, j'espère, le grain de sel que j'y mets. Pourquoi cette imagerie de l'énigme du sphinx? Parce que précisément, me semble-t-il, ce que Verdillon a formulé avec la notion d'industrie de la parole, me paraît fondamentale. Et lorsque j'ai entendu évoquer ce matin l'idée de liberté de parole, je m'aperçois que cette notion de liberté de parole travaille presque toujours à un niveau manifeste, une sorte de processus secondaire. Mais nous savons fort bien que la liberté de parole est presque toujours quelque chose de vague, de confus, de très rapidement détourné pour d'autres objectifs. Le stade auquel notre culture est parvenue actuellement, sauf pour des systèmes totalitaires encore régressifs, que la liberté de parole continue de mettre en question, mais dans nos sociétés démocratiques, il faut franchir une nouvelle étape
Et cette nouvelle étape, me semble-t-il, s'appelle l'industrie de la parole. Nos sociétés démocratiques ne peuvent plus se contenter de la liberté de parole devenue quelque chose d'abstrait. Travaillons au niveau manifeste, au niveau des manifestes, de ces publications signées par des intellectuels aussi brillants que publicitaires. Je crois qu'il faut aller plus loin et tenter d'intégrer dans le travail de liberté de la parole les processus primaires et très exactement l'inconscient. Et donc, cette élaboration d'une industrie de la parole est véritablement une mise en question de toutes les structures de la société. Elle représente, me semble-t-il, un fait politique considérable où la psychanalyse enfin parvient à sa maturité politique. Dans un entretien personnel que nous avons eu, nous évoquons ce matin le rapport entre psychanalyse comme rapport individuel, le psychanalyste et son patient allongé dans un divan, un rapport de couple que la société tolère admirablement et est même susceptible d'encourager. L'entreprise de Verdillion a consisté, me semble-t-il, à faire franchir à la psychanalyse, ici aussi, une nouvelle étape. Il est demandé à l'analysant, comme aussi bien à l'analyste, de ne pas se contenter de cette relation qui trop souvent piétine dans un certain narcissisme, non pas tant individuel que socio-politique, comme on le voit dans tous les travaux de psychologie du moi aux États-Unis, mais de franchir une étape